La véritable histoire, j'ai été pilote motul pendant 17 ans. Et ça a commencé dans les années 70. J'ai eu des titres de champion de France de rallycross avec Matra Motul. Il y a eu beaucoup de victoires. Lorsque j'ai arrêté ma carrière de pilote, j'ai créé le Trophée Andros. En 2000, j'ai appelé mes amis de Motul en leur disant « Voilà, je crois qu'il y a un truc à faire. Si vous voulez, vous allez devenir partenaire générique du Trophée Andros. » Et ça fait 20 ans, 21 saisons de bonheur et de partage. Parce que pour moi, c'est une famille. Et lorsqu'on est passé, il y a déjà 11 ans, à la première course 100% électrique, on me disait, ah ben oui, ben alors maintenant, Motul, on n'en a plus besoin. Sauf qu'on le sait, Motul est devenu un des leaders mondiaux des liquides qui sont à l'intérieur des batteries, qui sont des liquides très spéciaux. On sait que les batteries, même quand il fait très froid, elles marchent, et quand il fait très chaud, elles marchent aussi. Eh bien, c'est un peu grâce à nous, parce qu'on sait que la compétition automobile, c'est de toute façon la seule façon de pouvoir valider les produits et les techniques de demain. Si nous, on a pu, grâce à tout ce qu'on a pu faire ensemble, apporter notre pierre à l'édifice, je suis comblé. C'est un peu mon histoire, c'est mon histoire de pilote. 17 ans, j'ai eu des titres avec Motul. Maintenant, Motul, c'est dans mon ADN. C'est dans l'ADN du Trophée Andros.